Allez Christophe. Allez Franck. Ça va? À fond. T'amènes? Bah écoute, je suis stressé là. Quoi? T'as des vignettes? Ouais. Je te rachète. Tu te rends pas compte ce qui m'arrive. Il me manque une vignette. Une. Ouais. C'est la mienne. Ah bon? Alors j'ai besoin de toi là, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. Et combien tu veux que je te parque? Tu ne dis pas à ma femme. Hein. Je dis rien. Combien? Voilà. Mais je compte sur toi, hein. Sinon je suis sous le deux de toi. Mais t'as assez avec ça? Pour ton image? Tu vas plus que ça, quand même. Tu sais où elle est, hein? Oui, je sais où elle est. Allez, s'il te plaît. Allez, attends. Non. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Attends, tu peux faire durer comme ça, hein. Allez, tiens. Je pense qu'elle est là-dedans, Franck. Je pense qu'elle est là-dedans. Ouais, je pense, ouais. Merci, Christophe. Ça marche. Ciao. Bon, salut, Franck. Ça m'énerve. Il t'a dit quelle heure toi? Vas-y, 15h. Putain, incroyable, il est 16h là, 16h. Ouais, ouais. Si je l'appelle, je vais l'appeler parce que. C'est pas vrai, mais j'ai déjà tout ça. Comment c'est possible que j'ai toujours pas ma vignette? Oui, allô? Ouais, allô? Oui. Ouais. Oui, c'est moi. Oui, ça fait une heure qu'on vous attend, en fait. Oui. Ça serait peut-être temps. Bah écoutez, 5 minutes. 5 minutes, hein. Cinq minutes. J'ai un truc hyper important à faire, je ne peux pas être dérangé. Donc, dans 5 minutes, hein. À tout. Ouais. Il m'a paru stressé au téléphone. Ouais, ouais. Il y a un truc qui va pas, là. Je trouve que. Il faudra lui poser la question, mais. Hein? Mais rappelle-le pour voir. Ah ouais, histoire. Ma vignette. Je peux pas être tranquille. Hein. Ah, c'est bien. Oui, monsieur le président. Oui, Gilles, hein, de Canal Plus. Oui, c'est moi. Là. Non, bah, c'est écoutez, Jean, ouais. Ouais, ça fait une heure qu'on attend. Là. Laissez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Okay. Et je suis à vous. On compte sur vous, oui, hein, tout de suite. À tout, hein. À l'heure. À tout à l'heure. Hein. Au revoir. Il arrive. Bah oui. C'est pas vrai! Putain de casserole là! Merde! Max, putain, les autres ils m'attendent là! Je vais même pas ouvrir le capot là! Putain de merde de pute! Je vais pas ouvrir le capot! Ah! Hop! Putain! Merde! Ok, monsieur le président, merci de nous accueillir. Merci. Bienvenue. Ça va, monsieur le président? Ouais. On vous a senti un peu. C'est le sentiment qu'on a avec Loris de vous sentir un peu stressé, là, il y a, ouais. pour tout vous avouer. Je vais être franc avec vous, j'ai un énorme souci. Ouais. Quel je vous souci, explique, mais. Quel souci? Ça restera entre nous, hein, s'il vous plaît. Pas de problème. Dans mon album, ouais. Il me manque ma photo. Ma photo. J'ai presque tout le comité, regardez, j'ai presque tout le monde. Là, vous voyez ça? La 1. Je n'arrive pas à la voir. J'arrête pas de dépenser une fortune pour cet album. Tout le bonheur qu'on vous souhaite, hein, monsieur le président, c'est de trouver cette vignette. Hein, alors, ah bah oui, bonne chance. Hein, bonne chance. Hein. Merci, monsieur. Bon, on va peut-être commencer du coup les questions tout de suite. Donc ça explique un peu mon état de stress. Non, mais bon. Tout va s'arranger, hein? J'espère. On va peut-être y aller quand même. Allez. Voilà. Alors du coup, avant de passer en 2017, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de l'année 2016? Alors sur l'année 2016, faut dire que dans l'ensemble, c'est très très encourageant. Aussi bien au niveau des jeunes qui ont des résultats très corrects, qui représentent très bien le club. Et on voit que les entraîneurs, les éducateurs font un super travail.
ça c'est pour les jeunes. Au niveau des seniors, nos équipes ont enfin réappris à gagner. Et on a nos trois équipes seniors qui sont très bien classées. Donc on peut avoir de réelles ambitions sur cette deuxième partie de saison qui va démarrer bientôt. Et puis pour finir, nos chers vétérans se portent à merveille. Les troisièmes mi-temps sont toujours aussi animés. Très bonne ambiance, tout se passe pour le mieux. Voilà, donc une bonne année dans l'ensemble, avec une attente de confirmation des résultats pour la fin de saison. Très bien. Donc on peut tourner la page 2016 et puis avoir des 2017 avec, il paraît, de beaux projets. On peut en savoir un peu plus ? Oui, alors 2017 va marquer le 70e anniversaire du club, donc un certain nombre de manifestations sont prévues, dont la création déjà au départ de notre album Panini, qui me pose quand même souci à moi. Non, mais tu vas s'arranger. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau projet qui marche bien. Pas pour tout le monde, mais qui marche bien. On a le 1er mai notre traditionnel sanglier à la broche, évidemment. Au mois de juin, tout début juin, nos chers anciens vont partir en voyage en Autriche, un séjour de 3 jours, hautement culturel, un peu gastronomique, on imagine, avec un peu liquide aussi, mais voilà, bon, ça s'annonce bien, donc il y aura 45 personnes qui vont participer à ce voyage. Et pour finir cette belle saison, le 10 juin, sera la grande fête du club. Avec une tête d'affiche Oui, ouais. Donc on peut annoncer que le Racing Club de Strasbourg, avec ses U17 nationaux, sera là pour un match de gala. On est encore en train de peaufiner le programme, donc je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le matin, tous nos jeunes, le samedi matin, joueront donc toute notre école de football. À midi, ça sera un grand repas festif où les licenciés, les parents, les encadrants seront invités. Et l'après-midi, ça sera la partie match de gala. Et on finira en soirée avec la partie plus officielle, remise de médailles, distinctions, avec les membres de la Ligue. Très bien. Okay. Avec la vignette du président, ce serait parfait tout ça. Hein? Oui. Ce serait parfait. Oui, j'aimerais bien l'avoir, oui, je vous confirme. Ouais. Pour conclure, un petit mot pour nos licenciés, nos bénévoles, nos dirigeants, nos arbitres du club pour cette fin d'année. C'est la période, donc je tiens à souhaiter une très très bonne année 2017 à tous les sympathisants, tous les membres, tous les éducateurs, tous les licenciés de l'AS Andolsheim. Que nos couleurs continuent à être portées dignement. Je vous souhaite à tous une très très bonne santé. Bonne année 2017. Eh bien, merci encore, Monsieur le Président. Merci. On va prendre congé, hein, la route est longue pour nous. Enfin. Oui. Merci à vous. Désolé pour ce petit retard, mais je suis un peu tendu là. C'est compréhensif, hein. Tout à fait. Hein. Merci à vous, bon, monsieur. Très bien. Merci encore. Bon retour. Hein. Ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, enfin, ils sont partis. Hein. Allez, au boulot. Pas que ça à faire. C'est pas possible. Qu'est-ce que... Mais Nasser, mon frère, qu'est-ce qu'il fout là? Lanu? Non, c'est pas possible. Nasser, mon frère, quel traître. Non, c'est pas... Ça doit être une blague. C'est pas possible. Non. Nasser, dans l'album Panini de l'ASA, à ma place. C'est pas possible, pas possible. Bon, je vais rappeler ces deux journalistes là. Savoir s'ils ont. Peut-être qu'ils ont des infos. Alors. Pas possible. Ah. C'est le président qui appelle? Je décroche? Bah ouais. Ouais, monsieur le président. Oui, rebonjour messieurs les journalistes. Oui. Dites-moi voir, je viens d'avoir une surprise là dans mon album. Oui. Je viens d'avoir la vignette numéro 1. Vous savez, celle qui me manquait. Hein. Ah oui, monsieur le président, on osait à vrai dire. Il s'avère que c'est pas moi. Oui, à vrai dire, on n'osait pas vous en parler, Cloris. Hein. C'est vrai que dans les grandes sphères parisiennes, il se dit que Nasser, voilà, vu le succès de l'album, a arraché le club.
Voilà, donc oui, c'est effectivement c'est le football moderne, hein, monsieur le président. Vous savez, aujourd'hui, les entraîneurs, les présidents, même la S. Andelsheim n'est pas. Ouais. Hein, Loris, hein, ben n'est non, pas épargné. Pas épargné, hein, par ce genre de transfert. Donc. Non, c'est pas possible. Oui. Hein, il vous reste à vous souhaiter quand même une bonne année. Hein, bonne année. Hein, Loris. Hein, lui, c'est une bonne année quand même. Hein. Oh, merci. C'était une belle année. Au revoir, merci. Monsieur le président. Au revoir et bon courage, hein, surtout. Hein, bon courage. Au revoir, messieurs. Merci. On aurait peut-être dû lui dire avant quand même, hein. Oh. Merci. Il a pris la SA. En tout cas, moi, le Nasser, terminé, hein, terminé. Il fera moins le malin quand il aura tracé le terrain le samedi matin, le Nasser. Et quand il aura servi des bières à la buvette. On va voir quand il sera engueulé par le comité. Là. Non, mais Nasser, non, mais... Bon courage, Nasser, hein. Ciao, traître.